a toujours dit que les glitchs étaient des erreurs. Je n'ai jamais cru à cette histoire. Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 10 de Fils de Glitch. Donc un Fils de Glitch qui a été un petit peu particulier. J'ai décidé de me recentrer sur le fond. Donc j'ai énormément axé ça sur la recherche et le background de l'histoire, ainsi que la symbolique. Ce Fils de Glitch a été réalisé en live et je recommande après. Donc j'espère que ce procédé vous plaît, parce que moi ça m'a beaucoup plu, mais je vais en parler dans la partie commentaire. Donc écoutez, je vous dis à très vite et bon visionnage. Pour ce Fils de Glitch, je suis parti sur une composition en 16/9. Donc je recommande par-dessus. Le Fils de Glitch, je l'ai fait en live, pas comme j'ai expliqué avant. Donc je prends un crayon pour que ce soit un peu plus visible. Excusez pour les focus, la caméra est pas super bien réglée. Donc j'ai commencé par avoir une espèce de zone. Ça pouvait être une plage, mais j'ai pensé à une délimitation. Donc là j'ai pris mes crayons de couleur. Très envie de le faire en crayon de couleur, puis j'avais pas ma tablette. Donc là, j'ai décidé de partir sur une forme. Et une première forme, pour moi, c'était déjà un mec qui avait un flingue. J'avais tout de suite vu un gars qui avait un flingue. Je me suis dit, non, je vais pas mettre de flingue dans cette histoire. Là, je trace du vert un peu plus sombre pour pouvoir faire une espèce d'herbe ou une surface, quoi que ce soit, et le ciel. Donc là, je vérifie que c'était bien en deux tiers, un tiers, et c'était raté. Donc il fallait que je revoie ma scène. Donc là, j'ai essayé de tracer les couleurs pour que ce soit en deux tiers, un tiers, pour délimiter ma scène en une plage de couleurs, un spectre. Et donc là, j'étais bien en deux tiers, un tiers. Et donc voilà. Donc je vais recommencer par-dessus. C'est un Fils de Glitch encore un peu particulier. J'espère que ça vous plaira. Donc là, j'ai entouré en rouge pour montrer que c'était le personnage. Je voyais bien un personnage ici. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il est dans l'eau, il se cache, il arrive quelque part. Là, donc, je commençais à tracer cette forme pour essayer de la découper le mieux possible, pour comprendre l'articulation, la petite mèche, le petit truc. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir placer ce perso? Il n'a pas l'articulation pour que ce soit un flingue, ça va pas le faire. Donc, vous me voyez taper, c'est que c'était en live, donc je répondais à... Je répondais à quelques trucs en live. Donc voilà pourquoi. Mais ce glitch. Donc voilà, je refais mes petits contours. Moi, j'étais essayé de voir un flingue. Il y avait un petit axe qui se décrochait, mais j'en ferai rien de ce petit axe. Et donc je me suis dit, si c'est un bras, ça peut pas être un flingue, donc ce sera sûrement une main. Et là, je me suis dit, allez hop. Donc c'est bien sûr un bonhomme. J'avais vu un bonhomme au début. Je me suis dit, allez, je pars sur un bonhomme, on verra ce que ça donne. Donc la queue de cheval, je l'ai quand même mise pour moi le décrochement. Elle sera retirée après, vous comprendrez mieux pourquoi. C'est parce que ça faisait un peu trop Solid Snake et j'ai décidé que mon personnage devait pas du tout lui ressembler. Donc voilà pourquoi la jambe, je durcis les traits pour que ça puisse être apparent. C'est toujours de la recherche, on est bien dans de la recherche là. Et donc c'était un Fils de Glitch un petit peu compliqué celui-là, donc je le recommande après pour que ce soit moins lourd à regarder pour vous. J'ai la version entière si ça vous dit, mais c'est un peu long. Dites-le moi, on verra ce qu'on peut faire pour que les gens puissent le regarder. Ou alors je les laisserai sur ma chaîne, je sais pas. Je les ai supprimés pour l'instant, mais je pourrais les re-uploader. Et donc, vous voyez sur le glitch, les traits verts sont pas réguliers. J'en parle au début. Les traits verts sont pas réguliers, donc il faut que ça devienne une espèce d'arbre qui diffuse des feuilles. Comme un sapin, comme un conifère, mais aquatique. C'est un peu tiré par les cheveux, un conifère aquatique. Mais je me suis dit, allez, on y va. Et il va jusqu'à presque toucher le niveau de l'eau. C'est pour ça que j'ai dessiné le niveau de l'eau. Et ce truc, vous verrez plus tard quand j'écrirai, je vous expliquerai pourquoi j'ai écrit tout ça. C'est vraiment pour accentuer l'aspect tragique de l'image ou stressante, oppressante. Donc le mec, toujours, j'ai vraiment galéré à découper le gars dans l'histoire, pourquoi il était là, je sais pas vraiment pourquoi il est là, les mecs. Et donc, toujours, je travaillais mes couleurs, donc j'ai vraiment décidé sur ce Fils de Glitch de travailler le fond, vraiment le fond. J'avais très envie d'axer la réflexion, plus que de faire un gameplay...
Parce que je trouve que le dernier fils de glitch, donc le 9, était vraiment moins pertinent qu'avant. Donc je me suis dit, je vais me casser à faire des vraies recherches. Et en plus, c'était en live, moi j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Donc j'aimerais bien que ça vous plaise pour que je puisse continuer. Et si ça vous dit, je pourrais faire tous les fils de glitch en live. Et après, une version condensée sur ma chaîne YouTube. Si ça vous dit, dites-le moi. Parce qu'il y avait 115 personnes en pic qui étaient là et les gens avaient l'air plutôt réceptifs. Là, ce que je fais, c'est que j'ai décidé que l'eau dépassait au-dessus de sa tête. Pourquoi ça dépasse au-dessus de sa tête? C'est que c'est pour expliquer que je veux le montrer enfermé. Et si l'eau ne dépasse pas au-dessus de sa tête, bah, ça ira pas. Donc elle doit dépasser au-dessus de sa tête. Le petit trait rouge sur les yeux. Ah oui, alors attendez. Là, c'est. C'était un petit peu plus compliqué. Je sais plus pourquoi j'avais écrit ça. Oh, c'est très difficile de... Voilà. Donc là, je vais faire pause. Je vais faire pause sur le glitch. Pause. Et les branches, en fait, je prends vraiment le temps de vous les expliquer. Les branches, c'était pour moi... Ah oui, voilà. Ce que j'ai expliqué en haut, c'était que les branches formaient une espèce d'écran. Formaient une espèce de plafond au-dessus de notre protagoniste qui est perdu au fond d'une mangrove, de l'eau. Et ça... Ces branches, par exemple, quand vous êtes dans l'eau, dans les sables mouvants, des branches, ça vous dit « Mais hé, hey, attrape-moi !» Une branche, elle vous tend le bois, quoi. Enfin, c'est... attrape la branche pour t'en sortir. Sauf que là, les branches le recouvrent complètement. Et c'est pour ça que c'est un espoir oppressant. J'ai décidé de mettre en opposition, c'est une espèce d'oxymore, un espoir oppressant autour de tout ça. Je vais relancer la lecture... Et c'est pour ça que j'ai écrit un espoir oppressant, pour que, vous allez voir, je vais écrire un peu plus tard, que des branches sont ses alliés, mais pas tant que ça, vous verrez plus pourquoi. Donc là je repars sur encore un rough, alors le rough ça veut dire le brouillon, dans notre langage, dans la pré-prod. Un dessin rapidement fait, c'est un rough, R-O-U-G-H, ça se prononce R-E-U-F, mais ça s'écrit R-O-U-G-H. Et là, je vais travailler le cadrage, vous allez voir. Je vais essayer d'expliquer, donc c'était pendant le live. Et quand je fais une image, j'essaie de penser à ce qui se passe autour. J'essaye pas de créer quelque chose pour que ça rentre dans le cadre. J'essaie de penser une image entière et comment je la cadrerai après. Pour que ça puisse répondre à mes attentes de narration. Parce que mon but, c'est vraiment de raconter une histoire en partant de rien, avec un glitch. Et donc, là, vous allez voir, je vais tracer les cadres. Et ça c'est les berges, mais j'ai pas envie qu'on les voit parce que c'est cet instant que j'ai envie de capturer. Donc voilà, et là je vais me rendre compte que je me suis planté. Je me suis complètement loupé dans mon cadrage parce que le mec il est pas censé être au milieu. J'avais pas du tout envie de le placer au milieu. Là je remonte un peu, et donc je décadre, et tout ce qui est haché n'est pas bon. Et même en hauteur je m'étais raté. Donc voilà pourquoi je recadre mon image, vous le verrez par la suite. Et donc ces branches qui forment un écran au-dessus de lui sont là pour l'empêcher d'être vu alors qu'il est recherché. C'est un naufragé, on va dire, et il est recherché, et j'ai vraiment envie d'axer voilà, là je vais écrire, donc je vais peut-être faire des pauses pour qu'on puisse... voilà, donc là ce que j'écris, c'est la fameuse règle, les 5 W quand on crée une histoire, en français ça serait où, quand, comment, qui, pourquoi. Et donc je vais essayer d'y répondre. Donc c'est où? C'est dans une jungle, une mangrove ou un marais. Quand? C'est de nos jours. Je reprends, je fais pause. C'est la première fois que je fais ça, on va voir hein, si ça marche et tout. J'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment sincère, là. Ce fils de glitch est des plus sincères. Vous m'avez eu en direct, tous ceux qui étaient là, donc 115 personnes. Et tous ceux qui n'étaient pas là, j'espère que je vous aurai pour les prochains. Et donc là j'écris toit, plafond, un écran, voilà, là je dessine, l'écran empêche la visibilité. Donc c'est qui? C'est un disparu. Pourquoi? C'est parce qu'il est recherché. Et comment? C'est... Alors voilà, j'ai décidé de placer un zeppelin. Comment il va être recherché par un zeppelin? N'oubliez pas, ce monde ne correspond pas à Colin. J'ai supprimé Colin des fils de glitch, enfin je les ai séparés parce que je veux que les fils de glitch restent authentiques. C'est-à-dire que je veux rester un peu vierge de tout au début. C'est-à-dire que je pars sur une histoire à un moment T, un moment M, pardon, un instant T, dans un monde ou dans une situation, et j'ai très envie de rester le plus objectif possible. Parce que si je sais qu'il faut que je place du Colin dans l'histoire, j'ai peur d'être moins
comme au début, vous savez, vraiment spontané. Et je veux garder cette spontanéité. N'hésitez pas à me donner votre avis encore. Hein. Donc, voilà. Donc là, il est recherché. J'ai plus une petite croix rouge pour montrer que c'était de la recherche. Et donc, le Zeppelin serait là-bas et serait en train de partir ou d'arriver, on sait pas trop. Pour moi, il partait, mais à la fin, on dirait vraiment qu'il arrive, on sait pas trop. Donc là, j'explique une courbe scénaristique. Quand j'étais en haut, c'est le Zeppelin qui arrive, et quand j'arrive en bas, c'est le Zeppelin qui passe au-dessus et qui ne le voit pas à cause des branches. Vous allez mieux comprendre après. C'est un climax. C'est grossièrement un climax. Hein. N'allez pas vous dire, hey, c'est comme ça un climax. Non, c'est pas vraiment ça un climax, mais j'ai vraiment essayé de faire une vraie narration autour de cette image. Donc, 1, 2, 3 et 4 points. Donc le 1, c'est qu'il est perdu, donc c'est l'instant 0. On arrive dans l'histoire, il est perdu, on va essayer de le retrouver. Donc 2, c'est l'envoi des renforts, donc c'est l'ascension. Les renforts arrivent, le mec devrait être sauvé. Et 4, c'est les renforts ne le voient pas. Il le loupe. Donc ces branches qui sont à la fois ses alliés et à la fois ses ennemis. Je m'explique. Ces branches devraient l'aider, comme j'ai dit au début, mais en fait elles le cachent, donc elles deviennent ses ennemis, et ça va être très difficile pour un personnage de devoir s'allier avec ses ennemis. C'est très compliqué. J'ai déjà vu ça dans plusieurs jeux vidéo, quand deux factions arrivent et qu'il faut faire main dans la main, et souvent ils le font pas. Comme dans Halo avec les Floods, les Covenants pourraient... attendez, je fais pause pour le dire. Ah bah non, je continue. Les Covenants, là je pars sur la vraie image à la fin. Donc je vais accélérer, puis je vais continuer à parler, et à faire un peu le point avec vous. Les Covenants, à un moment, dans le 1 par exemple, on se confronte à une nouvelle race qui sont les Floods. Et les Floods sont les ennemis et des humains et des Covenants. Et c'est là qu'on se rend compte que y a une espèce de bêtise tout le temps, c'est deux entités qui se foutaient sur la gueule sont infoutues de faire une trêve pour se protéger d'une autre, sans forcément l'éliminer, mais pour se protéger d'une autre. Et c'est surtout ça que j'ai voulu retranscrire dans ce dessin. C'est plusieurs axes. C'est la peur, parce que bon, on me voit beaucoup trop, je vais accélérer. C'est la peur du personnage qui est seul, perdu sur de l'eau. On ne voit pas son visage, parce que j'ai pas envie que ce soit un personnage. J'ai vraiment envie de vous transmettre une situation ici. Et alors là j'attaque le ciel, donc tout au crayon de couleur, parce que c'est une technique qui est contraignante pour moi, c'est très difficile parce que c'est sans filet, c'est-à-dire qu'un trait c'est foutu, je pourrais pas le gommer, et puis j'avais pas ma tablette, parce que je rentre de vacances, et j'ai oublié ma tablette dans ma campagne, donc c'est pas grave, j'avais vraiment très envie de faire un fils de glitch, et si ça vous plaît, je les ferai tous en live, et je recommenterai après pour la chaîne YouTube. Dites-moi si ça vous botte, tous ceux qui n'étaient pas en live, ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de vous le mettre à disposition quand même, je l'ai supprimé. En fait, je vais vous proposer d'avoir le choix, soit de voir la version longue du glitch, mais le problème c'est que je réponds à des gens, je prends du temps, soit la version courte, pour que 10 minutes, c'est très bien, je pense, pour voir ce que j'ai à faire. Je vous recommande tout ça en faisant une pause ou quoi. C'est la première fois que je fais des pauses. Ça me permet d'être authentique. J'écris pas mon texte parce que j'ai vraiment pas envie d'écrire mon texte pour rester spontané. Là, je mets du violet, c'est une couleur complémentaire. Ça se voit pas trop là, mais du violet et du orange par rapport au vert. C'est une couleur complémentaire pour les ombres. C'était pour éviter d'avoir un aspect un peu bateau sur mon image. Et là, je vais attaquer un peu encore le violet. Donc, c'est un premier plan, deuxième plan. Et plus au fond, les branches sont plus sombres. Et là, j'attaque le Zeppelin. Le Zeppelin, je me disais, mais il faut qu'on comprenne que c'est un Zeppelin, il faut qu'on le voit. Donc c'est pour ça que je vais faire un halo. Vous voyez, j'essaye d'assombrir le tout en mettant un halo pour vraiment montrer le crépuscule ou une espèce de brume. Magnifique chevelure. Hein. Donc voilà. Là, je pense que j'ai fini. Oui. Et donc voilà. J'espère, donc en plus ce procédé me permet d'avoir le glitch d'origine, les traits rouges n'y étaient pas, hein. C'est quand je fais mes recherches, je mets des petits axes de recherche en rouge, et j'espère que ce fils de glitch vous plaît, c'est le 10e épisode, que je vis avec vous une magnifique aventure, en fait mine de rien, on est à 4000 abonnés, je vous remercie, c'est très gentil, et j'espère que ça va durer très longtemps, parce que c'est mon métier à temps plein maintenant de faire ça. Je suis très content de vous retrouver tout le temps, et si je peux les faire en live, j'ai pris un malin plaisir à le faire.
Vraiment, en plus, c'est très motivant. J'explique, je réponds aux questions. C'est vraiment très agréable. Et je propose en plus la version normale du Fils de Glitch, qui n'est pas longue. Parce que je peux comprendre que d'avoir toute la réflexion, ça peut vous saouler. Juste un résumé, ça peut vous suffire. Donc, j'ai le souci du détail. C'est peut-être mon défaut. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce Fils de Glitch vous plaît. Parce que moi, il m'a énormément plu à faire. Vraiment, le process de création de cette image à partir du glitch m'a beaucoup plu. Donc j'espère que ça vous plaît, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.